jeu Rito. Un jeu Rito. Moi qui n'aime pas beaucoup League of Legends. Et ben mon petit frère a acheté Ruined King. Je lui ai taxé. Et nous allons tester ce que ça donne incessamment sous peu. C'est-à-dire maintenant. Putain, il a fizz le noob. Ah je reconnais elle, c'est Illaoi. Alors, je tiens à dire en avance à tous les gens qui vont venir sur ce stream, je ne suis pas un aficionados de League of Legends. Je tiens à le dire, Rito et moi, ça fait deux. Je connais quelques persos, quelques trucs, mais on se calme, hein. On se calme tout de suite. Drop à la fin, c'est de ma faute, j'ai envoyé un message. Aïe 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 aïe, j'ai rien compris. Je comprends rien. Je pense que je vais absolument rien biter au jeu. Mais c'est pas très grave. Ma musique est hyper cool. Bon, je sais pas si on aura Wolf aujourd'hui, il galère avec sa co, fait chier. Tant pis. Nouvelle partie du coup là, c'est tout. Nouvelle partie. Les ennemis sont plus redoutables. Combat plus complexe. Découverte des RPG tour par tour. Eh, en vrai, on découvre le jeu. Hein. Let's go normal. Hein.
Bon, allez. Vous changez la difficulté du jeu à tout moment, vous n'êtes pas en combat. À Bilgewater, les monstres existent. Quand j'étais enfant, ma mère a été assassinée par un lâche nommé Gangplank. Il m'a tiré dessus et m'a laissée pour morte. Il n'y eut aucun procès. À Bilgewater, la loi, c'était lui. Je l'ai chassé. J'ai tué ses hommes. J'ai regardé Gangplank mourir, emporté par la marée rougeoyante. Mais les monstres n'ont pas disparu. Des siècles durant, les bourreaux ont protégé ces îles contre les pires spécimens. Mais même eux craignent l'ennemi de l'horreur. Ces attaques qui prennent la forme d'une brume noire, perpétrée par les morts vivants des îles obscures. À chaque attaque, l'horreur se renforce et les bourreaux deviennent distants. Pourrons-nous nous reposer sur les prières et la magie encore longtemps? Les monstres sont faits de chair et de sang. Ils ne m'effraient pas. Il n'y a qu'une chose qui m'effraie. Devenir l'un d'entre eux. Ouais, petit frisson tout de même, hein. Ça me plaît, ça me plaît. Ah bah c'est Rito, hein, tu connais. Au secours ? Le jeu ? Allô ? Moi je comprends pas tout, donc ça va être compliqué d'expliquer. Après ce que j'ai compris, il y a des morts vivants. Ah voilà. Le jeu, c'est bon, on joue enfin. Si calme vu d'ici. Si seulement. Je peux jouer ? Bonjour, capitaine. Votre invité est arrivé. Rafen, te souviens-tu du bon vieux temps ? On pouvait piller ce qu'on voulait et naviguer où on désirait. Regarde-nous maintenant, à prendre des rendez-vous, à jouer les diplomates. Au moins. Nous pouvons toujours utiliser nos armes. Peut-être bien, mais quand il était roi des pillards, Gangplank réglait tout par la poudre. Connais pas le jeu, si moi. Si j'unis les gangs par la violence, la ville me verra-t-elle toujours comme leur sauveuse ? Oh, Gangplank était un tyran, Sarah. Tu es forte, pas cruelle. Je suis fier d'être ton second. Le reste de l'équipage est fier de t'appeler capitaine. Les gangs te suivront. Ce n'est qu'une question de temps. Ils ne me suivront pas s'ils sont morts. J'espère les faire changer d'avis avant que cela n'arrive. Parfois, il faut savoir être ferme. Ben, ne faisons pas attendre le capitaine Thorne. En tout cas, le dialogue est tour par tour. Ça, c'est sûr. Je peux jouer au jeu ? C'est quand qu'on joue ? Yes ! Donc je joue... Miss Fortune, Sarah, je sais plus quoi là. On peut courir. On peut courir. Mode inspecté, pas d'effet de bénéfique, d'accord. Regardez le didacticiel, voulez-vous ? Non, c'est pour les nuls. Moi je veux galérer moi. Les gens vont se moquer de moi, ça va être encore plus drôle.
Ok, donc A, c'est les actions. Ok, on va tout piller, de toute façon, on est un pirate. Je vais jamais terminer cette lettre. Au secours. Ouais, ouais, je vais au bot avec mon sup. Mais je prends full critique et vol de vie et je vais encore me faire insulter. Et ouais, mais non, mais ouais, je joue sur mon E. Et mon X. Attends, non, mon E et mon Z. Oh, je sais même plus. Oh là là, mon E et mon R. C'est ça, c'était le R, l'ulti. Secours. Ah ouais, je peux. Ok, d'accord, c'est ça que me disait mon frère, il a une attaque de d'avance. Gangplank, je pensais que ta mort me libérerait. J'avais tort. Petit côté Darkest Dungeon dans les dessins quand même, hein. Capitaine ? Les balles sont toujours en moi. Tuer Gangplank n'a pas suffi, Raffen. Mais tu l'as vaincu. Tu vis, et lui repose au fond de l'océan. Ces balles ne sont qu'un petit rappel de tes épreuves. Elle me la rappelle un peu trop. Le jeu de combat, non, ils l'ont enfin teasé là. Parce que moi j'en parlais avec un pote, mais vu qu'on avait toujours pas de news, on était un peu en mode ouais, bon bah ils sont dans la sauce les types quoi. D'accord, il y a des PNJ qui parlent, je peux parler à tous les PNJ. Maintenant dans le parloir. Ok, oui, d'accord. T'as une mission, j'ai compris. T'as dit où le parloir? C'est là? Ok. À voir hein, le jeu de combat, mais moi je pense que je le doserai. Hein. Je vois que vous avez fait la déco. Cet endroit avait besoin d'une touche féminine. Je ne pense pas que l'ancien propriétaire s'y opposera. Il ne risque pas, vu comment vous l'avez abattu, lui, et le reste du conclave. Vous n'êtes sûrement pas venu ici pour parler décoration, capitaine. Avez-vous réfléchi à mon... Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Votre offre. Je devrais vous confier toutes mes opérations, ainsi que ma flotte et mes hommes. Oh, fortune. Vous avez peut-être tué Gangplank et volé ce manoir, mais ça ne fait pas de vous ma reine. Ah ah. J'ai bien l'impression que Bilgewater n'a toujours pas de véritable régent. Laissez tomber. Je ne voudrais pas abîmer un si joli visage. Tant pis pour la diplomatie. En fait, Raffen, je commence à bien aimer. Ah bah enfin de la diplomatie. Alors... Un combat se lance lorsque vous engagez un ennemi. D'accord. Oui, c'est, jusque-là c'est logique. Si tu m'intercines, il va t'en vouloir. Oui, super. D'accord. Lorsque le tour pour un jeu, vous pouvez utiliser une de nombreuses compétences. Combat disponible. Utilisez les compétences sur la voie qui consomme le mana à requiert du temps. D'accord, c'est ça que me disait mon frère. Donc, ça, c'est les compétences instantanées.
Infligé 55 de dégâts. Génère 10 de points de survoltage. Points de survoltage, c'est la mana. Réduit de 40% les dégâts subis, esquive de 10. D'accord. 120 points de dégâts répartis sur 6 tirs aléatoires. Ok. Infligé 40 dégâts. Attends, je peux marquer. Cœur volage. Ah, donc attends, faudrait que. J'ai pas tout compris. Ça, de toute façon, c'est instantané. Du coup, j'ai pas trop le choix de là où je vais. On y joue. Ah non, c'est encore un mois de jeu. J'avais pas compris ça. Là, je joue avant lui. Là, je joue après lui. Ok. Ok. Survoltage. Générer survoltage à certaines compétences instantanées. Survoltage considéré comme du mana supplémentaire. Toutefois, il disparaît à la fin du combat. Ouais, de toute façon, si j'ai bien compris, on lui applique un truc. Ouais, il fait un peu plus mal le petit bâtard. J'ai quand même 400 HP. Et il a 242 de dégâts et c'est bon, c'est fini, au revoir. Hein. Non, non. Oh, mais on m'appelle! Ah ouais, mais... Heureusement qu'il y a une petite pause à la fin des combats parce que... Non, mais faut que je charge le téléphone, sinon le stream va se couper d'un coup là. Secours. Ok, ok. Je prends ceci comme une reddition. Le syndicat ne te suivra jamais. Je préfère mourir, despote. Je vois. Qu'en est-il de vous, les garçons? Suivrez-vous votre capitaine? Eh bien, capitaine Thorn, ces pourparlers sont terminés. Oui. Tiens. Zéro pitié. Le reste d'entre vous, bienvenue. Prouvez votre loyauté et vous serez récompensé. Tentez de me trahir ou de prononcer le nom de Gangplank et vous rejoindrez votre ancien capitaine. Compris? Oui, capitaine. Un nouveau recrutement rondement mené, et presque sans accroc. Nous possédons tous les biens du syndicat désormais. Mais aucun de leurs chefs. Pas encore.
Même si je dois tuer tous les capitaines, du chantier naval jusqu'au quai abattoir, je leur ferai comprendre. Bilgewater appartient à Sarah Fortune. Bilgewater. Bah, tu changeras le nom, hein, parce que franchement, prononcer à la française, c'est un peu de la merde. Beaucoup de la merde. Raphaël ? Changement de voix. On va sélectionner une compétence, la voix de l'équilibre, célérité ou la voix de la puissance. Oui, c'est ça que me disait mon frère. Attention, je vais éternuer. En fait. Ah non, ça marche pas, ça marche qu'avec les pouvoirs. Après, je peux les verrouiller, 120 dégâts. 150. Changer de voix. Ça m'a pas vu. D'accord. Oh putain, je sens que ça va m'emmerder, c'est quand même. La brune noire. Comment est-ce possible? Secours. Il y a beaucoup de chargements déjà. Hein. On a joué 15 minutes, il y a 10 minutes de chargement. Et 5 minutes de cinématique. Secours. D'accord. Contrôler un emplacement sur... Secours. Alors, est-ce que ces compétences-là... Non. Qu'est-ce que je pensais? Ça... 124 de dégâts, mais il fait chier... C'est chiant, c'est réparti, c'est pas ce que je veux faire. Merde, j'aurais pu faire la voix de la série. Célérité. Oui, on peut donner aucune cible. Cool. C'est bien ce que j'avais compris, le deuxième coup fait plus mal. Oh là là, ça va être compliqué hein, après Dicey Dungeon et Octopath là. Déjà mort. Ah. Allez, là, brume empoisonné, d'accord.
fait du coup? Calme-toi, Sarah. Hein. Ouais, il aime bien le type au jeu. C'est des bonnes barres dessus. Wow. Il me dit qu'il kiffe bien le jeu, lui. Lorsque vous êtes en mode prospecteur. Ah oui, mais je suis loin du micro aussi. Ah mais ouais, c'est mon putain de micro qui bug, c'est vrai. Va falloir que je change son câble à lui. Commence à être bien abîmé. Alors attends. Les deux coups appliquent marque de cœur voltage. Et là, il faut que je consomme... ça. Ok. Aucune cible. Bah si, il y avait le loup dedans. Moi, je comprends pas. Hein. Est-ce que je peux les tuer tous les deux là? Non, j'en tue qu'un. On peut accélérer. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, je n'ai plus de... merde. Merci beaucoup, Capitaine. Ok. Je suis là pour looter, moi. Ils vont se le filer tous les deux, les cons. Lui aussi va faire un lancement spectral. T'es sûr? Ça se cumule pas, j'ai l'impression. Allez, bolos. Ils attaquent lourd. Dommage. Je m'emmerde un peu parce que ça n'a pas mis la marque que je voulais. D'accord. Ah,
faire une attaque. Je l'ai encore ça. Je vais encore me bouffer le poison. C'est dégueulasse. Vas-y, attaque-moi, mais je te fume, mon frère. Non! C'était win! Il veut plus l'avoir, la marque, et j'ai plus de mana, il casse le cou. Vas-y, on accélère le combat, parce que là, on s'emmerde. Hein. Heureusement qu'on peut accélérer le jeu. Hein. Je vais mourir ? Restez 9 HP. Hein. Secours ? Sarah. Ils sont sortis de nulle part. Je... Ne parle pas. Économise tes forces. Je pensais qu'on s'en était débarrassé à Port-Cri. Est-ce une nouvelle nuit de l'horreur? Je ne sais pas. Mais si ça l'est, nous allons avoir besoin d'aide. Nous avons besoin d'Ilaoi. C'est pas moi qui ai craqué, c'est mon frère. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis juste là pour tester le jeu. Ce que je disais, hein, je suis pas un fan de Rito. Moi. C'est de l'amour-haine. Par contre, les temps de chargement, c'est GTA 5 là. Hein. Non, je débute le... On a commencé il y a à peu près... Allez, une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on a lancé le jeu. Donc non, je suis au tout début. Zéro avis, rien, rien. Et puis je connais rien à League of Legends, c'est très limité pour moi. League of Legends, c'était il y a quelques années déjà. Frères et sœurs, un nouvel ennemi est apparu à Bilgewater. C'est la déesse Nagakaburos qui me l'a montré. Apôtre de la vérité, montre-le-nous. L'éventreur des abysses massacre des hommes chez eux et dans les rues. Il incarne la peur et l'inertie. Nous honorerons la mère serpent en le chassant et en restaurant le mouvement. Béni soit la déesse. Apôtre, je veux combattre à vos côtés. Je suis prêt. Es-tu prêt? Bats-toi avec tout ce que tu as. Et la J'ai pas maté la série encore. Digne. Si tu ne l'es pas, alors tu perdras la vie. Je me plie à sa volonté. Rien. Indigne. Il est fort, prêtresse. Il peut vivre. Si tel est le souhait de la déesse. Viens, notre ennemi nous attend. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ces rues sont pleines de mouvements.
Nagakaburos nous sourit. Pourquoi acceptez-vous ces étrangers, prêtresse? Les Pailangi ne respectent ni la déesse, ni les traditions Bourou. Ils créent leur propre voie et se battent pour vivre. Marche, apprends à leur côté. Amuse-toi même. Ils ont de nombreux désirs. Je t'ai vu t'amuser dans leur taverne, ma sœur. N'aie pas honte, je te rejoindrai la prochaine fois. Bien, suivons maintenant le rythme des rues. Le rythme des rues. Let's go, hein, on va danser sur le son de la jungle. Ici, les hommes à l'intérieur ont mentionné le tueur. Nous attendrons dehors. Pas besoin de nous approcher des Pailangi. Hein? Ça en fera plus pour moi. Au secours? Je peux trop bruit, hein, mais... Soit un dégât défense. D'accord. Mécanique d'Ourma. Ok, mais ça on verra une game. Donc, elle a elle aussi une attaque d'opportunité. D'accord. Bon, après, avant de donner un avis sur le jeu, je vais attendre de voir le vrai potentiel. Parce que d'après ce que j'ai vu, bon, c'est à base de grosses teams de 3 qui se tapent sur la gueule et tout. On va attendre un peu avant de juger. D'accord. On peut parler au PNJ, mais franchement, je m'en bats les couilles. Le lore, bon, voilà. Hein. On va essayer de comprendre petit à petit. Mon frère a essayé de m'expliquer un peu près où ça se passait, mais... Pourquoi mon peuple les déteste-t-il autant? De quoi tu parles? Mais de quoi tu... Mais je sais même pas... Au secours. Ah, on y est. Non, les didacticiels, c'est pour les faibles. Pendant du pilleur. Ça file des... C'est pour les HP ça aussi. Ok. Oh là là, mais tu vas arrêter de parler d'Aurelsial? Arrête de... T'es méchant, hein. Franchement. C'est pas gentil, hein. Non, mais arrêtez de me proposer un didacticiel à tout, là. Ah, le bestiaire et l'argent. Le bestiaire est vaste. Mais lui, on le raffrontera jamais, en fait. Ah, ça. Ça, on va pouvoir mater les burnes de tous les persos, c'est cool. Tu dis que du mal. Pas écouté, hein. Je suis sûr que t'as pas écouté en plus. Au secours. Monsieur le barman. J'ai entendu parler de l'éventreur. Oh, faut lire. Oh, alors ça. Petit homme, dis-moi, où puis-je trouver l'éventreur des abysses? Qu'il demande? Je suis Ilaoi, apôtre de la vérité de Nagakaburos et championne du peuple bourreau. Bien sûr. Et moi, je suis Tam Kench, le roi des rivières. Barre-toi, j'essaie de me reposer. Peut-être qu'une petite démonstration vous fera changer d'avis. Désolé. J'évite de me battre avec des femmes étranges. Alors, vous êtes indigne. Ou apeuré. Tu vois cette épée? J'ai tué des centaines d'hommes, bien plus imposants que toi. Alors fous le camp. Je t'imaginais plus fort. Non mais frère, Ilaoi, elle fait 2m50. Elle fait 3m. Elle fait 3m et contrôle le Cthulhu. On n'emmerde pas Ilaoi, hein. C'est combattre.
ces gens s'en foutent. Hein. Tu vas goûter mes tentacules. Toutes les tentacules frappent. Double de dégâts, d'accord. Et ça, ça file sur voltage, 50% de chance d'invoquer une tentacule. Donc, techniquement... Tentacule, ok. Grosse tentacule. Sympa! Et du coup... Attends, je vais essayer de lui mettre une tentacule à lui aussi. Non mais je fais 2m50 et 120 kg, calmez-vous les frérots. Hein. Ça me fait sourire. Ah merde, j'ai été bait. Faut pas beaucoup de dégâts les tentacules. Hein. Ouais, je peux me rendre des PV supplémentaires pour chaque. Reste une femme. Oh là là, Paris Match, tu mérites de Toto. Auto timeout. Parce que femme ou pas, Ilaoi. C'est un Spartan sans armure. Hein. C'est qu'une égratignure. Ouais, ouais. J'enseigne de la seule manière que je connais. Ah oui, non, ce... ah oui, non, sur le champ de bataille. Ah, mais Miss Fortune était déjà high level. Donc, Ilaoi, c'est le vrai premier perso, techniquement. C'est tout ce que tu as. Dis-moi tout sur l'éventreur des abysses. Personne ne l'a jamais vu. Il paraît qu'il arpente. C'est pas une. C'est pas une femme, c'est une guerrière. Pas vivant. Sa peau ressemble à celle de cadavre. Et ses orbites sont vides, tel un corps repêché de l'océan. Une créature piégée entre la vie et la mort. Ah, je sais plus comment elle s'appelle un sur Horizon. Envers la déesse. Il a c'est pas Ilaoi. Contre les capitaines. Trouvez-en un. Et l'éventreur ne sera pas très loin. C'est en deux syllabes. Merci, petit homme. Tu veux rester un peu? Je n'ai jamais bu avec une prêtresse. Ah ouais. Tu te brises trop facilement. Il tombe amoureux, c'est bon. Le mec, tu lui casses la gueule. Il est in love. In love d'un voyou. D'une voyou, du coup. Hein. Secours. Hein. Ah, je peux le fouiller. Non. Des meurtres la nuit dernière. Ah, du coup, ça s'est passé il y a pas longtemps au final. Et c'est vrai, on peut sprint. Ce jeu me fait roter, hein, voilà. Si je devais donner un... Ah bah non, mais il est parti, celui qui voulait un avis, là. Ouais, bah tant pis. Spam les conseils pour devenir plus intelligent. Ah, ça marche même pas! Ah si, c'est bon. Nous avons entendu du bruit. Mes nouveaux amis Paelangi voulaient juste en savoir plus sur les traditions. Bon, allons au dédale. Je leur ai fait comprendre mes traditions. Ah, ils sont... Oh, je les ai absorbés! C'est bon. Vous êtes dans mon inventaire maintenant. C'est quoi ça? Par contre, le bruit de loot des potions est cool. C'est quoi comme bestiole? Ah, c'est un espèce de lézard géant, stylé. Attendez, faut que je me mette sur le stream pour voir si ça ressemble à quelque chose. Oh! Putain, on a un nouveau genre sur le serveur Discord.
C'est mon avis sur tous les jeux, c'est un peu redondant, je pense que les gens en ont marre. Cher journal, je m'en sortis de l'arrêt de ce que tu me racontes. Je suppose qu'on peut les lire plus tard. Alors, attendez, parce que moi je veux faire un truc. Je me suis rendu compte de ça. You sure? On va calmer un peu la musique parce que des fois elle prend par-dessus les voix pour le stream, c'est chiant. Oui, on s'en fout. Non, mais ah, c'est bon. Suffit maintenant. Hein. Ah ça par contre, ça c'est meurtrier hein. Y a même pas de musique, y a rien. S'emmerde un peu, c'est un peu austère les chargements. Ah mais si j'ai des PNJX dans mon inventaire là, on les voit en bas. J'avais pas vu que j'ai des poteaux au final. Ah, c'est des méchants ça. Ils font face à un apôtre de la vérité. Purification des effets néfastes. D'accord. Oups, j'ai abîmé un. Ah mais attends, sous quelles conditions elles spawnent les... Quelles conditions spawn les tentacules? À mon tour. Bâtard. C'est bon, tu t'es déjà spoil sur le jeu, toi. 50% de chance d'invoquer une tentacule. Ça le dit pas, hein. C'est bon. Plus ça va, plus on dépasse des limites. C'est que sur moi. Ça leur apprendra. Ah mais ils veulent de l'argent. Un coup de chance. Ah ouais, donc pas besoin de faire mal techniquement avec cette technique. Ça génère du survoltage, mais je m'en tartine l'arrêt ça. Et du coup, attends, frappe rapide. D'accord, frappe rapide, ça bourre juste. Il faut juste le taper, mais même quand je me fais taper, j'ai des tentacules, donc je comprends pas... Je comprends pas vraiment tout. Écoute, on va pas chercher. Juste bourré. Améliorer
une compétence. Comment ça? Non. Ah. Ça fait apparaître une tentacule tous les 3 tours. Ah bah c'est pour ça que j'avais une tentacule tout à l'heure. 5 tentacules max. Ok. J'étais pas censé pouvoir avoir une nouvelle technique là? Ça me plaît, ça. Ça m'a plu, cette petite page de donjon là que je viens de lire. Ça va me plaire beaucoup, en fait. Bon, après, la DA... League of Legends, hein, donc... Tu pourrais dire ce que tu veux. Ça fait des années qu'ils taffent sur leur truc. Sur leur jeu. Les os brisés enseignent bien plus de leçons. Oui, bah c'est des faveurs pour moi, ça. Ok. D'accord, non mais c'est bon, t'inquiète. Putain. Je vous ai dit que je détestais les tutos. Mais genre, je déteste vraiment ça, quoi. Le meilleur tuto que j'ai vécu dans ma vie de gamers, c'était sur... Far Cry, lequel? Ça va revenir. Ah putain! Far Cry. Blood Dragon, je crois. Ouais, ça doit être ça. Avec des T-Rex qui tirent des lasers. Il était trop bien ce tuto. Genre appuyer sur A pour sauter, bravo, vous savez appuyer sur A, vous savez lire les tutos. Allez, vas-y, maintenant t'appuies sur tirer, c'est bon, tu sais tirer, va jouer. Allez, c'est bon, va jouer maintenant. ...17 de dégâts sur voltage, bam. Sanctuaire de soins. Double soin du coup. Bah oui, voilà. Et du coup, petite voix, petite tentacule, là. Tentacule à 52 de dégâts. Vas-y. Allez, purgez-vous là, et là il va le tuer. Ok. Ah c'est bon, après Dicey Dungeon, mon cerveau est prêt pour ce genre de jeu là. J'y suis hein. Mon cerveau est prêt. Mais il y a moult exploration. Ta gueule. Ils font face à un apôtre de la vérité. Pendant... Ah, jusqu'au prochain tour. Faut bourrer les tentacules, hein. Voilà, ok. Faut plus de tentacules. Yes. Jusqu'à 5 hein, j'ai dit. C'est toujours la même solution. Et puis si ça marche pas, il suffit juste de bourrer mieux. Hein.
x2. Je prends pas trop cher enseignement, ça va. On va quand même soigner ça. C'est douloureux. Je viens à peine de commencer. Non mais ils filent du saignement avec leurs points, ils sont relous aussi. De dégâts. Ah mais je jouerai pas avant il a eu du coup Ah non, c'est lui qui joue. Ok. Je peux passer mon tour? J'ai pas vu ça. Nous sommes dignes. J'ai super envie de stream du quoi du. Ah, il y a trop de L. Ah mais juste. Attends, c'est Diablo que tu vas me lancer, je suis sûr. Plus chier que son Diablo lui. Le mouvement est tout. En plusieurs vagues. Bah c'est Dicey alors, t'as envie de stream du Dicey, si c'est ça, ça me va. Double dégâts de tentacule, au secours. D'ailleurs faut que je mette notre petite VOD sur Twitch. Enfin sur YouTube. Ils vont adorer ça. Il fait sombre. Non mais on va faire un truc, regardez. Oui ok d'accord. Donc c'est à Diablo que tu veux jouer. J'ai peut-être un petit peu trop bourré. C'est drôle. Secours. Non, c'est moi que j'ai soigné, je voulais pas. Attends, c'est qui que je joue? Ok. Toi, tu te protèges parce que sinon tu vas mourir. On a pas encore des vrais persos en allié là. J'arrive pas à reconnaître les ennemis et les méchants là, enfin les ennemis et les gentils et mes couilles. Non mais il va mourir. Ils sont indignes. Un coup de chance. Ouais, un coup. Donc il peut y avoir des combats en plusieurs vagues. Attends, tu te fous de ma gueule le jeu, tu me... 2 points de compétence.
What the fuck? Chance d'apparition de tentacule passe à 100%. Réduction des dégâts physiques. Il est magique. Tentacules apparaissent tous les 5 à 6. J'ai le coup de mana. Secours! Secours! D'accord. Ah. D'accord. Ok. Sympa. J'avais pas vu ça comme ça, mais ok. Ok, 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 ok. Ah bah ouais, je vais jouer tentacule, hein. Ok. Ok, d'accord. Il n'y a pas plus de bagarre, s'il vous plaît? Oh. Se reposer. Ça sauvegarde? Ok. Ok, au secours. Pitié, pitié, s'il vous plaît. Si effrayé, si seul, mais bientôt tu seras rayé de ma liste, capitaine. Et tu ne ressentiras plus jamais rien. Quelle liste? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je ne suis même plus capitaine. Ça fait des années. Je vous en prie, je vous en prie. Faut que je passe tout seul ou... D'accord. Abomination, fais face à la prêtresse du Kraken si tu l'oses. Te tuer serait amusant, mais ça ne m'apporterait rien. Non. Penses-tu que je te laisse le choix d'être déchu? Frappe! Je croyais que c'était un combat. Plus pour moi. Jean. On a dit, hein. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Qu'est-ce que tu branles? Oh là là. Qu'est-ce qui te prend? La Max? Sur Windows, mon frère.
Saignement. Scission. Ben voilà, hein. Nouvelle compétence, provocation. Provoque. C'est bien, ben voilà, là on parle. Subis l'épreuve de la mère serpent. Tu ne survivras pas à son jugement. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est impossible. Tu serais digne? Mais tu es un monstre! Déesse, que cherches-tu à me montrer? Les îles obscures. Gangplank. Une plus grande épreuve. La réanimation de Gangplank. Putain, même mon chat s'est retourné quand j'ai dit ça. Mais t'inquiète. Hein. Guidez-moi. Prêtresse, êtes-vous blessée? Comment a-t-il pu nous échapper? Il a les grâces de la déesse. Je ne comprends pas. Vous devez le savoir. Vous êtes l'apôtre de la vérité. La volonté de la mère serpent vous habite. Avez-vous besoin de repos? Pour qui me prends-tu? Retournez au village. Je vous rejoindrai. Vu qu'on ne me donne pas la vérité, j'irai à la recherche de la vérité. Ok. La WandaVision. Je vais mourir. Ok. Je vois le genre. Ben voilà, hein, c'est un jeu League of Legends, quoi. Allez. Oh ouais, j'ai le temps de... C'est quoi le plat le plus long à faire, là? Ah voilà, merci. What? Apôtre de la vérité, bienvenue. Doyenne. Éclairez-moi. Parle, mon enfant. Qu'est-ce qui te trouble? Je cherche à purger Bilgewater d'une grande menace. Ma quête m'a mené à une créature qui propage peur et inertie. Oui, tel est ton devoir, et tu l'accomplis toujours. Mais cet éventreur des abysses, je l'ai mis à l'épreuve, et la déesse l'a jugé digne. N'importe quoi. Étrange, en effet. C'est insensé. Il ne vit pas. Et les morts vivants sont une honte pour la déesse. Comment a-t-il pu réussir son épreuve? C'est impossible. Après tout ce temps, je ne devrais pas douter d'elle, mais j'ai l'impression de ne plus parvenir à comprendre la volonté de la déesse. Mon enfant. La volonté de la mère serpent est en toute chose. C'est en suivant ton cœur que ton destin se manifestera. C'est la force, quoi. Il faut rester ouvert au flux de la vie et le bon chemin se révélera de lui-même. Mais ai-je mal interprété sa volonté? Si ce monstre est digne, ai-je mal jugé d'autres personnes? Si j'ai donné la bénédiction de la déesse au nom méritant, ce serait un blasphème. C'est toujours... Peut-être devrais-je renoncer à mon rôle d'apôtre.
Ilaoi, ne dis pas de telles bêtises. Je t'ai enseigné les voies de Nagakabu Rose depuis ta tendre enfance. La volonté de la déesse est en toi. Aie confiance en toi. Mais si j'avais tort, ma vision, la brume noire consumant toute chose, quelque chose de terrible arrive, et je ne peux pas me permettre de douter. La déesse m'a envoyé une vision, mais il me faut plus. Bah ouais, c'est normal. Seule la déesse sait ce que l'avenir nous réserve. Ce n'est pas mon rôle de t'aider. Trouve ta propre voie. L'enjeu pour Bilgewater est trop grand. Je dois être certaine de la marche à suivre, mais j'ai tant de questions. Pose-les. C'est en cherchant la réponse à ces questions que tu trouveras la voie vers la vérité. Mais tu dois faire preuve de patience. Doyenne. Oui, patience. Je vais méditer sur le passé et prier pour qu'une voie s'ouvre à moi. Bah ouais, j'attends, moi. Prêtresse, vite, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, un changement. Prêtresse, venez voir, il y a un changement. Je vais me chercher à boire hein, pendant les... Ah, moi aussi je vais me chercher à boire. Ça, c'est un homme. Voici Ilaoi, notre championne, l'apôtre de la vérité. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Braum. De Freljord. Freljord, tu viens de loin. Mes hommes m'ont dit qu'ils t'avaient repêché. Ils ont fait preuve d'une grande bonté. Marche avec moi. Je suis curieuse d'entendre ton histoire. Une terrible maladie est apparue à Freljord. Elle a emporté la vie de nombreux enfants. Braum, c'est vraiment toi? Oui. Et regarde, j'ai emmené un ami. Sois fort. Et surtout, prends bien soin de lui en mon absence. C'est promis. Repose-toi maintenant. Et Braum te jure qu'il trouvera un remède. Je te le promets. Braum, tu promets l'impossible. Ton cœur est pur, mais la maladie se propage. Rien n'est impossible pour Braum. Freljord est mon foyer et ses habitants ma famille. Dis-moi, que dois-je faire? Quand j'étais enfant, mon père m'a parlé d'un endroit nommé les îles bénies. Là, il s'y trouverait une source capable de guérir n'importe quelle maladie. Mais la brume noire est apparue. Et l'endroit se nomme désormais les îles obscures. Même pour toi, cet endroit maudit est trop dangereux. Et on ne sait pas si cette source existe. Des fois, une histoire n'est qu'une histoire. Braum reviendra avec cette eau bénie. Ah, pense aux histoires que l'on racontera. Braum ?
Mais le coup des abdos. Tu t'es battu contre la brume noire. Tu es sûr? Oui. Et je suis encore prêt à en découdre. Si je retrouve un bateau. J'ai perdu mon bouclier face à la brume. C'est un objet qui m'est très précieux. Je ferai tout pour le récupérer. Ah bah c'est bon, hein, bah normal. Nous venons en paix. Elle trouve un mec qui fait 3 mètres et qui fait 150 kilos de plus qu'elle, c'est bon. Hein. Quel est ce message? Elle demande une audience. Elle dit que la brume noire est de retour. C'est tellement longtemps que j'ai pas touché à la console que... La brume noire, elle est de retour. Merci, Brome. Elle vous attend. Suivez-nous. Je connais le chemin. Ami, j'ai bien l'impression que le destin nous a réunis. Je suis l'apôtre de la vérité. Ce combat est donc le mien. Pourtant, ton arrivée n'est sûrement pas due au hasard. Peut-être est-ce le signe que j'attendais. Si je vous aide à combattre la brume, je pourrai en apprendre plus sur le remède que je recherche. Et je pourrai vous remercier de votre aide. Ta volonté est forte. Je ne t'en empêcherai pas. Allons rejoindre Sarah Fortune. Bah ouais, faites vite, hein. Yes, un succès. Objectif commun. Je n'ai pas joué, hein. Le jeu se fait tout seul. Interférence, effet bénéfique. Oui, mais c'est un tank. Et Brome, quoi. Tu peux pas me dire que Brome, c'est un assassin. Ok, ok. Stylé, hein. Je peux faire ça. Ah bah oui. Excellent. Bon, faut pas regarder de très près, hein. Ah oui, effectivement. Après provocation, première attaque. Non mais non, bah puissance d'attaque, on s'en fout, il va tanker comme un ouf. C'est pas mal ça. Ouais. Oh, secours. Non. Non, non, non. En fait. Un nouveau lieu sur la carte. Je sais pas, le jeu va bien. Bien me faire comprendre là où je dois aller. Y a-t-il des histoires sur toi, Ilaoi? Le grand apôtre de la vérité, Bourou. Je ne suis que l'un des apôtres. Je ne connais pas d'histoire à mon sujet. Qu'en est-il de toi? Raconte-t-il les tiennes à Freljord? Bien sûr! Avoir des mythes et des légendes, c'est important. Freljord est une terre de légendes.
Un peu aucun sens ce qu'ils disent par contre des fois. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Secours. Ah voilà. Et voilà, moi je voulais juste parler au PNJ. Qu'est-ce que... Non, mais je... Ta gueule. Ok, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. C'est de ouf. Je croyais que je joue à League of Legends pour faire de la pêche. Non, j'irai sur un MMO. J'irai sur un MMO pour faire de la pêche. J'irai pas sur League of Legends. Sur The Ruined King. Le King ruiné. Wesh le chat. Putain, on s'emmerde hein, pendant le temps de chargement, c'est fou ça. Hein. Oh la longueur du type toi. Allez, on entame notre troisième minute dans ce temps de chargement. Deuxième minute. Eh ben. Moi je voulais juste sortir de la pêche hein. Ta gueule. Faut chier avec leur... Ah ouais, c'est ça. C'est ce que je pensais. C'est bien qu'est-ce que je pensais. Oh, y'a que des pêcheurs partout là. Retrouver Miss Fortune dans son manoir. D'où le manoir de Miss Fortune. Doit y avoir une carte. Ah. Marché des Maribas. La charmante demoiselle. Non. Arrêtez, vous... J'ai dit non, hein. J'ai dit non, ils m'en mettent un quand même. Casse-couille, putain. Domaine de Miss Fortune. D'accord. Donc il faut que je passe. Ah, d'accord. That's big. Ok. Donc... Je sais pas. Je vais y arriver. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Je vous jure, je vais y arriver. Oui, on vient prendre l'ascenseur. Première fois, ça va me coûter cher. Combien? Parce que sinon, je peux payer avec mes points si tu veux. Nous appartenons à aucun gang. Dites-nous simplement combien vous voulez. Si vous voulez pas nous laisser passer, ça va faire mal. Ah bah oui. Il sort son compte et signale à ses partenaires que... Non mais vas-y, c'est bon, je vais pas les couilles. Hein. Je casse la gueule. Je n'ai pas peur.
secours. Tour supplémentaire, encore. Ok. Ouais, mais il tape dur lui, hein. C'est toujours l'attente le plus dur. C'est pas mal ça, le fait de pouvoir. Vous allez voir les amis, c'est impressionnant. Ouais, vas-y, je m'en fous, hein. Moi. Ils vont voir. C'est dégueulasse, ça, par contre. Le bouclier semble un peu lourd. T'inquiète. C'est dingue mon bouclier là. Je l'ai pensé plus fort. Oui. C'est bon, j'ai le droit de prendre l'ascenseur. Ah voilà, c'était pas si compliqué. Eh ben, j'ai le temps de m'ennuyer, hein. Qu'est-ce que je peux faire en attendant? Rien. M'emmerder. Fou ça, hein. Non mais là ouais c'est abusé quand même. Ça m'a donné envie de changer de jeu. Chemin du manoir de Miss Fortune. Oui mais c'est bon, j'ai vu où il était.
J'ai eu une grande taille. Oh, c'est bien, je peux piller tous les coffres qui sont dans la rue et tout. Le manoir de Miss Fortune n'est pas par là. Comment ça, il est pas par là? Je t'emmerde. I'm going on my way. Oh non, Zenzu! Les voyous vulgaires. J'ai une quête à faire, excusez-moi. Attends, c'est où alors? Ah, ça doit être là, faut que je descende. C'est ça. Oh, un shopkeeper. Non! Sur 5, eh, hey, je les ai quasiment toutes. Ouais, voilà, j'ai dit que c'était par là. Continuez votre chemin étranger. Je t'emmerde. Genre c'est pas par là. Moi j'en étais sûr. Leur défaite sera leur plus grande leçon. Il faut que je sois Imbrome en plus dès le début. J'ai pas le temps de charger mes tentacules. Pas que je me mette dans la brume. Ah mais elle a 240 HP le pistolero là. Aïe. Rome semble vaciller. La provocation, ok. Mais bon, si je dois boire des popos à chaque fois, ça va être lourd. Merde, j'aurais dû faire en lourd. Ah, il a plus de vie, il va lui rester un HP à l'enfoiré là. Plus de tentacules.
celui qui a pris possession encore. Trop facile. Ok, il me reste un HP. Voilà. Je vais encore me bouffer la brume sinon. L'équilibre. Je rassemble mes forces. Même Brome finit par s'épuiser. T'inquiète, Brome. Non. N'en faites pas pour moi. Sauvez les poros. Merde. L'épreuve des bourreaux apporte la sagesse au prix d'un peu de sang et de quelques dents. Ah oui, c'est vrai, merde, faut looter. Miaou. Tentacule amélioré par ligne mode 2. Vous devriez être mort. Nous sommes fair play. Finons d'ici, donc je change d'avis. Allez, un peu de gentillesse dans ce monde de brute. Ah. Collier d'Andraquin. C'est bon, c'est fini, c'est le jour où je me balade. Hein. Du coup, c'était pas là où je pensais, merde. 5 sur 5. Merde. Ah, mais il y a encore des... Ah merde, j'ai pas tout. Il y en a plusieurs, des textes. Quoi? Oh. Quoi? C'est un fromage le jeu. Oh, vas-y, j'y vais. Hein. Ah, mais attends, ils ont plus de vie, mes persos, je crois. Oh, ça va. Mais c'est ça, je peux leur casser la gueule, eux. Bonjour, citoyen, j'espère que vous venez. Donation pour l'entretien du pont. Cette donation. Il n'y a rien de pacifique. Oh, regarde. Il n'y a rien de pacifique. Les amis, mon bouclier est là pour vous. Joli coup. Ah.
Genre. Comme s'il en avait besoin. Le tour nous parfait. Quel imbécile. Que sculptent vos dieux? Il n'y a pas de montagne ici. C'est vrai, mais nous avons la mer. En son sein se trouvent d'immenses montagnes et de profondes vallées, tout en mouvement. Ah, c'est bien vrai, Ilaoi. En voilà une noble terre. Ça n'a aucun sens, hein. Si, si, les PNJ se racontent des trucs, mais... aucun sens, hein. C'est pour l'achètement. De corps. De prime. Ça va être par là. Marché des bas quartiers. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Windows 11? Secours? Ah, ça tend jusqu'à l'horizon. Ah, la demeure de Sarah Sortune se trouve à côté. Ouais. Acheter du stuff, c'est ça que tu me dis de faire, Ilaoi, là? Vraiment? T'inquiète, t'es mal, on a tout ce qu'il faut, là. Petit collier de requin, t'as vu, puissance d'attaque. Ah non. Plus de pèves. Voilà. On discute. Baleine des abysses. Pas un vrai shopkeeper. Oh, les marchandises. C'est pour Ilaoi. Dégâts endurance applique étourdissement sur un ennemi. Voilà, d'accord, c'est pas mal ça. Après, c'est pas ce genre de truc que je veux, moi. Là, c'est plus des reliquasses.
Voilà. Un grand IPVH. Oh, je pourrais même l'acheter en double en vrai. Ah, c'est un pendentif. C'est pas ça que je veux, moi, c'est une relique. Y'a pas de relique. Pas de mal à acheter des reliques. Je peux aller chourave le coffre du. Yes. C'est pas de mal à chaîne de relique. C'est un pilo. Passe. Ouais. Bon, je pense qu'on va rejoindre le manoir de Miss Fortune. Et puis je vais aller jouer à niveau 2, moi. Ok. Petit niveau 2 après, là. Je sais pas si je pourrais le... Non, je peux pas le stream, ce genre de jeu. Sur la PS4, ça va être l'enfer. Ouais, on va chercher Miss Fortune, mais je pense que je vais aller me faire ça vu qu'il y a que toi et moi sur le stream aujourd'hui. Écoute, hein, je mettrai peut-être la découverte sur YouTube. Puis les gens me diront s'ils ont envie de faire la suite et s'ils ont envie de. Oh non, merde, j'ai pas vu que c'était méchant. Bah ouais, non, le stream sur Play c'est trop chiant, ça marche pas. Où ils mourront. Ça marche pas le stream sur Play. Merde, je voulais zapper les ennemis moi. Non mais c'est pas ça, c'est juste que bah moi j'ai envie de jouer à Nioh. D'accord, ça serait la folie furieuse en mode de joue. C'est calme, même moi je suis calme sur ma découverte. Puisqu'il le faut. Vas-y, frappe. Hélas, on n'évite pas le combat. Excellent travail. Je chassais des œufs, comment ça je chassais des œufs? Ah oui, sur mon sauteur. Il y a deux vagues de mob, deux vagues. Ah mais j'ai plus de vie déjà là. C'est la fin. Ça va ouais. De toute façon, je serai en retard. Autant que ça en massacre un. Ah ouais, je l'envoie le petit bouclier là. Ok. Affrontez-moi. Bonne chance. Nous apportons le mouvement.
Mais il en reste rien à chaque fois. Ça me fait sourire. Je tape plus du fort maintenant. Avec les anneaux. Les anneaux que je m'assois mei. Sois motivé, sois joyeux, sois furieux. Allez, on va chercher Miss Fortune là. Aloy, est-ce que ton dieu met des animaux à l'épreuve? S'il met... Non, Nagakaburos ne met pas de bêtes à l'épreuve. Quel dommage. Brom connaît quelques eunuques qui en seraient dignes. Les eunuques? C'est ce que je pense là ou... Non, je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir. Allez, temps de chargement là. Ah, c'est bon, on y est. Oh non, faut pas que je lise quand même. Okay. On dirait qu'on a de la compagnie. Oh non, pas encore de la bagarre. Leur défaite sera leur plus grande leçon. Je sais pas, je suis pas full vie en plus, putain. Lui d'abord. Maintenant, pas bouger. Un de nos aciers, c'est vérité. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait ça là. D'accord. Ok. Ouais, c'est classique quoi. J'espère qu'ils le font exprès. Coup critique. On a eu la chance. On va vous montrer. Oh, je suis immunisé contre l'étourdissement, c'est cool ça. Avec un peu de chance, je vais pouvoir rejouer. Je lui ai fait une commotion.
Ok, c'est pas mal ça. Hein. Commotion x 5. Commotion. Nous sommes dignes. J'aime ce. Yes. C'est pas mal ça. Quand l'unité est touchée. Premier coup. Cool ça. Bon, je vais juste voir Miss Fortune, moi. Ah oui. Et direct au salon. Petit point de sauvegarde là, comment on fait pour sauvegarder sur le jeu? Ah ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi je m'en fous. Normalement on est juste à côté. Quartier du capitaine. Ah non, on n'est pas à côté. On va essayer d'aller le plus proche possible de chez la Miss. Et je vais m'arrêter là. Je vais aller jouer à Nioh moi. Ah ouais, donc il y a eu une invasion de la brume. Bon, on est juste à côté. Hein. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter juste devant la Miss, chez Miss Fortune. Dans son manuel. Et puis bon voilà, des bisous. Paris Match, si tu veux qu'on aille casser des démons là, tu me dis, parce que moi je serai dessus. Et puis des bisous à ceux qui sont passés, ceux qui sont encore là. Au revoir, à bientôt. Quoi Sniff? Qu'est-ce qu'il y a? Hein, on gagne pas d'argent ici.
Si, c'est la passion. Moi, je fais découvrir des jeux. Sauf qu'il y a des jeux auxquels j'ai envie de jouer, que je peux pas vous faire découvrir. Voilà. Des bisous, restez puissants à la prochaine. On se recroisera, vous inquiétez pas. Ouais, y a pas de soucis. Je vais peut-être m'acheter Days Gone aussi, j'ai vu qu'il était à 20 balles, mais j'ai plus d'argent. Aïe. Bon allez, au revoir.